Le Nigeria vient de célébrer la première édition du Festival de la bière. Cette manifestation culturelle s'est tenue à Lagos, la capitale économique, du 21 septembre au 1er octobre. Elle a réuni des centaines de participants. Ce festival vise à promouvoir cette boisson sur l'ensemble du pays. Le Nigeria est en effet le deuxième marché de la bière en Afrique. Je veux juste faire la fête et me divertir. Je ne suis pas vraiment un adepte de la bière, mais la plupart du temps, quand je consomme de la bière, je suis détendu, comme si je me sentais vraiment à l'aise. Plus d'une vingtaine de marques de bière ont été exposées durant le festival, une rencontre culturelle qui a été préparée en amont. Pour la première édition, tout ce que je dois vous dire, c'est qu'il est très difficile de convaincre les gens sur ce festival de bière. Ce n'est pas comme un festival de bière où les Nigérians ont l'habitude de s'asseoir et de boire. C'est une célébration d'un mode de vie, une célébration de la culture, du peuple et de la bière. C'est vrai, il a fallu du temps pour convaincre les gens, convaincre les brasseries, surtout les grandes brasseries. Le festival rassemble tous les gens pour simplement s'amuser et se détendre. Ici, vous pouvez également déstresser et être vous-même. Le Nigeria est le deuxième marché de bière en Afrique, actuellement dominé par les entreprises Henken et Yango. Les Nigériens boivent 16 millions d'hectolitres de bière par an, soit la moitié de la consommation sud-africaine, le plus grand marché de bière du continent.